Salut tout le monde, c'est Amsi. Aujourd'hui on se retrouve sur Piggy. Et donc voilà, on va faire le chapitre 10 en vidéo. Et c'est bon, let's go, c'est parti, on va commencer là tout de suite. Et du coup voilà, on est sur Piggy. Donc on va faire play et on va voir. Bah voilà, on est dans le chapitre 10 avec des abonnés. On est avec Angène, Jiak le beau gosse et Miss Pew. On est aussi avec Wax Uzumaki. Bon bah, ce qu'on doit faire ici, donc je vous explique. Cette map en fait, elle est beaucoup plus hard que les autres. Elle est beaucoup plus difficile. Et du coup là, il y a une planche par exemple. Et ce qui est pas logique, c'est qu'en fait on met une planche ici et en fait ça en met une deuxième là-bas. Mais sauf qu'on a qu'une seule planche. En plus elle est toute petite, c'est pas logique. Ouais bref, on va lécher. Nani. On va laisser ce qui est illogique de côté et puis on va se concentrer sur le jeu. C'est ça qui est ça. Du coup, ici il y a des statues. Des statues de Piggy, d'accord. Ici il y a un homme en noir et ici il y a un homme en rouge. Oh, là-bas il y a Piggy. Oh non, oh non. D'ailleurs c'est le mode infection, c'est le mode player. J'aimerais savoir parce que j'étais pas là au moment du vote. Ce qu'on va faire, c'est on va prendre cette clé et cette clé elle débloque une porte vers là-bas si je ne me trompe pas. À part si elle est déjà déverrouillée. Vous vérifiez ça. Ouais, elle est déjà déverrouillée cette porte. Du coup on va reposer cette clé juste après et on va reprendre de l'herbe parce qu'il y avait de l'herbe là-bas. Ouais non, je veux vraiment pas me laisser passer. Du coup bah ce qu'on va faire, c'est tout simplement on va monter par ici. Comme ça, on va prendre ça, l'herbe qu'on a donné aux zèbres mousquetaires. Et non, 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 non. Non, je suis tombé dans le gros piège. Non, vite, yes. Comme ça. Wow. Les grands pièges, ils sont difficiles à éviter. Hein. Heureusement, ça dure pas beaucoup longtemps. J'ai inventé un nouveau mot. Beaucoup longtemps. Allez, assomme Piggy. C'est bon, Piggy Memory est assommé. Oui, parce que c'est Memory de base, je pense, son nom. Ouais. Ouais, c'est ça qui est ça. Et du coup, on va prendre le petit gun qui est ici. On va prendre le pistolet. Et donc, avec ce pistolet, on pourra assommer encore une fois Piggy. Et aussi le rat là qui est dans le conduit d'aération. Parce que je voulais pas encore montrer celui-là. Celui-là, il est fourbe. Il campe à un endroit en fait. Je vous explique. Là, il est en train de camper à cet endroit. Mais des fois, il campe à l'endroit qui est de l'autre côté. Et des fois, de par là-bas. Ce petit malin. Mais bon, là, ça servira à rien de l'utiliser sur lui. Vu que de toute façon, là, la partie elle est dégagée. Si la partie elle est pas dégagée, alors faut l'utiliser. Non. Non, mais pour rien, il a vu. Game over. Oh, GG. Ça m'a fait flipper. Ok, en fait, au passage aussi, j'ai acheté les Black Hole Trap. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce délire là. Mais bon, on a acheté des Black Hole Trap et en fait, on en a que deux contre les Piggy. C'est quand même incroyable. Que deux traps, c'est vraiment très très peu pour de vrai. Et puis on en a que deux. Ces trappes en fait, ils nous capturent plus facilement, si vous voyez ce que je veux dire. En gros en fait, on peut pas les esquiver, on peut pas sauter par dessus. Ça nous attire en fait dans un rayon de 5 mètres environ autour de lui. Waouh, mais pour de vrai, c'est vraiment un truc de ouf. Ouais, moi j'ai acheté le Black Hole Trap parce que Black Hole ça veut dire trou noir. Et donc trou noir, ça me fait penser à plein de choses. Ok, on va encore voter pour le chapitre 10. Et donc, c'est ça qui est ça. On va attendre jusqu'à ce que la map voting se termine. On espère que ce soit sur le chapitre 10. Et yes, c'est le chapitre 10. Donc, maintenant, ça va être qui le Piggy? D'ailleurs, j'aimerais faire le mode traitor. Comme ça, ça va être un peu plus stylé. Non, vous avez pas envie. Mais ok, hein, si vous avez pas envie. J'espère que c'est pas moi. Ah, il y a Angène qui dit j'espère que c'est pas moi. Ah bah, c'est pas toi. C'est Glouglou. C'est Glouglou 44. Ok, ok. Ok, j'arrive. Il a couru par ce chemin-là, un supermarché. Pourquoi il voudrait se cacher ici? On va te trouver n'importe l'endroit où tu es. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça qu'ils ont dit. Oh, la souris. Oh, c'est bon, il a pas bugué. Du coup, ici, en fait, on a débloqué ça avec une clé à molette, d'accord. Ici, on peut sauter, hein, bien sûr. On peut sauter, c'est totalement logique. Après, on a une clé bleue, c'est cool. Oh, avec la clé bleue, on la débloque là-bas, mais il nous faut une planche. Et il y a Tigri qui veut nous buter. Oh, maintenant, faut faire gaffe, là. Faut faire attention. Du coup, ça... Ah oh, oui, c'est la clé bleue. J'avais totalement oublié. Pas totalement, totalement, mais un peu totalement. Ouais. J'ai un qui est bizarre. Hein. J'ai pas totalement, totalement oublié, mais un peu totalement. Ok, qui a la planche, les gars? On a besoin de la planche. Ok, ici, il y a un truc qui enlève la planche. Un pied de biche, plus précisément. Alors, c'est qui a la planche? Yes, vas-y, Miss Pew. On va débloquer cette porte. Et dans cette porte, il y a la clé marron. Yes. Wow, wow, il est juste là. Du coup, on a la clé marron. Et la clé marron, on doit la mettre là-bas. La clé marron, attention, on va la mettre. Est-ce qu'il y aura quelque chose dedans? Est-ce qu'il y aura un objet ou quoi que ce soit? Et bah non, on a juste besoin d'un miroir. Ah non, il y a aussi la clé pour le pistolet de la muerte.
Ok, c'est bon, on a débloqué ça. Et on a le pistolet. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, je doute qu'il en ait qui ne savent pas. Mais en fait, avec le pistolet, on peut que tirer à la troisième personne. Parce que si on tire à la première personne, en fait, ça nous bloque le tir. Je sais même pas pourquoi. Sur ton visage à toi-même. Mais ça te fait rien, bien sûr. Mais tu rates le tir, quoi. À tous les coups, c'est ça qui est ça. J'aurais besoin de munitions. Ah, il y en a là-dedans. J'ai même pas remarqué. Yes, j'ai réussi. J'ai réussi. Et on va se prendre le piège exprès pour que le piège disparaisse après. Vu que pendant le temps il est assommé, vous voyez, bye. Ouais, j'espère. Ici il y a quoi? Ici il y a une clé rouge. La clé rouge c'était pour cette porte là. Une clé verte, mais la clé verte elle est déjà déverrouillée. Et bah il y a rien ici. Ah non, j'ai pas de mission. Je ne peux pas t'assommer, pas maintenant. Et maintenant je peux. Allez, tu es où? Montre-toi. Oh. Wow, il m'a surpris là. Waouh. Si je vais pas patienter juste un peu, je serais peut-être mort. C'est bien possible, ouais. Ok, on a la clé jaune. Et avec la clé jaune, on débloque la molotov. Yes. Les gars, c'est normal si j'appelle ça la molotov. Je pense que je vais tout le temps appeler ça la molotov. C'est un bail. C'est un délire. Non, non, la souris. La souris. Je me suis approché de trop près. Ah non, la souris là-bas, c'est bon. Ok, on a une carte verte. La carte verte, elle est où déjà? Il me semble que c'est là-dedans. Oh, oh. Il est tigré. Faire attention là. Vite, viens. Viens, Miss Piou. On va s'échapper de ce foutu supermarché. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on y est rentré. Ok, j'ai le miroir, j'ai le miroir. J'ai le miroir et je dois juste mettre le miroir là-bas. Allez. Ne te laisse pas avoir, Miss Piou. Tu ne peux pas te laisser avoir. Yes, du coup, j'ai la pièce en or. La pièce de John Wick. Oh non, non, Miss Piou qui est mort. Oh non, Miss Piou est morte. À cause d'un supermarché. Bon, dommage. Ce serait bien si on avait échappé ensemble. Ce foutu supermarché. J'oublie toujours le nom. Je sais pas pourquoi. Ok, on va mettre la clé principale ici. Ah d'ailleurs, la molotov, j'avais oublié que je servais aussi ça. Ok, je vais prendre la molotov. La molotov elle est censée être là-dedans, normalement. Simple et efficace. Allez, tu ne pourras pas m'avoir. La souris elle a bugué vers là-bas. Heureusement que la souris a bugué vers là-bas. Parce que si elle avait bugué vers l'entrée, ça serait un peu chaud. Je vais pas vous mentir, ça serait un peu chaud. Ok, on va mettre la molotov ici. Et maintenant on n'a plus besoin du pied de biche. Et après on pourra enfin s'échapper. Yes, allez, le pied de biche est où? Le pied de biche il est censé être dans la porte rouge, si je ne tombe pas. Allez, 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 on peut réussir. On peut réussir à échapper de ce supermarché. Supermarché de malheur. Ok, on va monter en haut. C'est bon, on y va. Let's go. On n'a plus qu'à débloquer ça et on s'échappe. Attention, Jean-Michel va-t-il marquer le but? Et c'est bon, c'est fait. Il a ouvert la porte. Et c'est bon. Je t'ai échappé. GG les gars, GG. Show yourself, we know you have been watching us. Je vais afficher la traduction, ne vous inquiétez pas. Je vais le dire en anglais. On a échappé. Oh. Mais c'est George. George, c'est toi. How do you know who I am? Who are you? I'm Ninja Mega Sensei and this is Piggy. You know this kid? This is the person I was looking for. Why would you run, George? After my family visited the hospital, they acted weird and scary. I came here looking for grandma, but everyone looked scary, so I hide. You will be safe with us, George. Will I see my family again? George, we will find the person who did this, I promise. Bon, la dernière phrase, j'ai pas su la dire correctement. Zizi est de retour et elle a un ami. Zizi, this is George and Ninja Mega Sensei. Ninja Mega Sensei looks pretty funny. Zizi, Ninja Mega Sensei, we tracked a helicopter signal nearby. Mr. P, I need to go see him. Zizi and I are coming with you. What? But she just got back. I will be back soon, I promise. Take care of George while we're gone. Let's go stop him once and... For all. Magnifique accent anglais, franchement. Your accent is so exotic. Il était super cet accent anglais. Du coup, on va faire une dernière petite game. Et je suis pas Piggy. J'ai envie d'être Piggy pour la dernière game. Vous savez quoi? On se retrouve dès que je suis Piggy. Bon, ok, là je suis Piggy et donc on va pouvoir tester nos fameux pièges. Nos fameux deux pièges. Parce qu'il n'y en a que deux. Ok, du coup, j'ai les pièges les plus cheat du jeu. Donc on va voir comment ils sont. On va voir comment ils sont. Je vais en poser un ici. Parce qu'il y a souvent beaucoup de gens qui passent ici. Oh non, oh non, il est rentré dans mon piège en même temps. Il est rentré dans mon piège en même temps qu'il était mort. Bon bah ok. Ça s'est raté et GG. Au passage, je voulais voir comment le piège il faisait le truc. Mais bon, est-ce que ça le chope d'en bas? Parce que ça serait drôle pour de vrai. Ok, du coup j'en ai zéro. Super, j'ai zéro piège. Ok, Waxu the Maki, as-tu une dernière volonté?
Ok, tu viendras pas. Ta dernière volonté, c'est de courir lentement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cours si lentement? Ah, c'est peut-être à cause du piège. Parce que le piège, il attire, mais en fait, il peut pas aller super haut. Et du coup, il est coincé. C'est drôle. Non, non. Nous, il y a mon sosie qui m'a assommé. Ok, c'est bon, je ne suis plus assommé. Et maintenant, on va finir. Uzumaki. De toute façon, tu peux plus rien faire. Tu peux même pas t'échapper, malheureusement. Ok. Donc Suzumaki a fait sa dernière volonté, c'était de tester le piège de Namsi. Ok, vas-y, je te laisse passer, mais gare à toi. C'est à cause du piège. Oh, bah, okay. Pour de vrai, il est super hein, le piège. GG Noemi aussi, GG Wax Uzumaki et GG. Du coup, GG Ayem aussi et GG Angen. Bon voilà, tu as arrêté ton coup de pistolet, malheureusement pour toi. Ok, bâton, où est la dernière personne? En plus, j'ai même plus de piège. Oh. Il y a Miss Piu qui est aussi morte. Et du coup, la dernière personne qui est encore en vie, c'est Jiak, le beau gosse. Attention, est-ce que je vais t'avoir? Yes, je t'ai eu! D'ailleurs, je sais pas pourquoi t'étais plus lent que moi. C'est un peu bizarre. Ah, il était super ce piège pour de vrai. Et puis on a aussi gagné. Super ça. Et bon, bah du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes si elle vous a plu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour n'arrêter aucune prochaine vidéo qui sort. Il y a deux vidéos que j'ai vues juste ici. N'hésitez pas à les checker. Aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo, hein. Ça fait plaisir. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde et peace. Pas ça, je n'oublie pas le code créateur d'un psychiatre aussi.